Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur des nouveaux achats. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, les achats, c'est des achats de en fin de semaine et de la fin de semaine passée. Je vais vous présenter de trois magasins différents. Oui, c'est ça. Donc, je vais y aller des magasins que j'ai moi acheté aux magasins que j'ai acheté le plus. Donc, il y a une partie que c'est moi qui ai payé et l'autre partie, c'est ma mère. Voilà, donc c'est parti. Premier magasin, c'est chez Art. Voilà, donc il y en existe quasiment plus au Canada. Ça a été fermé. Voilà. Donc la seule chose que j'ai acheté, c'est des têtes d'oreiller. Donc Beverly Hill Polo Club. Voilà. À 7,99$. Je vais vous montrer. Enfin, je suis un petit peu déçue, je m'attendais qu'il y ait les images sur les deux côtés de l'oreiller, mais en fait, on a comme ceci, et de l'autre côté on n'a rien, et sur la tête d'oreiller, on a comme ceci la personne qui fait du polo. Voilà, ça c'est le premier article que j'ai acheté. Dans la deuxième boutique, c'est dans une animerie, donc c'est... Del Girard. Voilà. Et la seule chose que j'ai acheté, ce sont des éperons. Donc, je mets un bémol tout de suite. Non, je les mettrai pas tout de suite. Je les ai pas achetés pour rien. Dans le fond, je commence à m'acheter du matériel pour faire la compétition. Et en même temps de m'avancer. Pardon. Quand je vais être plus avancé niveau équitation, je vais m'en servir. Donc, pour le moment, oui, j'aurais pu attendre, mais vu qu'il est en rabais, voilà, je les ai pris. C'est de la marque Metal. Bon, pas trop, là. Voilà. Donc, c'est des éperons comme ceci, à bout relativement long. J'ai. Voilà, bout rond avec les élastiques. Parce que sinon, c'est l'éperon séparé avec l'élastique. Séparés. Donc, si jamais ils sont trop sévères, j'irai m'acheter des éperons puis j'aurai des élastiques. Donc, au lieu d'être à 27,30$, ils me sont revenus à 22,05$. Voilà, des éperons. Rien de plus banal. Voilà. Comme je le répète, je ne vais pas les études. C'est un achat que je voulais depuis longtemps. Fait que, voilà. Je vais les avoir. Si je continue dans les achats, je suis allée dans la sellerie Lemay. J'ai acheté seulement que trois choses. Donc, la première chose que j'ai acheté, c'est une crème nettoyante et revitalisante pour le cuir de la marque Absorbine. Voilà. Donc, en 425 mg, un gramme, je veux dire, excusez. Voilà, qui l'a coûté 8,95$ comme ceci. La crème en tant que telle n'a pas d'odeur. Puis je trouve qu'elle est un petit peu bizarre. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une paire de reines comme ceci. En cuir. Je suis vraiment désolée de la qualité. Vraiment désolée de la qualité, voilà. Noir avec un petit peu de brun comme ceci, pas de marque, qui l'a coûté 19,95$, donc 20$ comme ceci. Et je vais juste la décortiquer. Et je me suis acheté une bride à miserole croisée noire comme ceci, avec des liserés comme ceci le frontal et la même sur la miserole comme ceci. En taille full, donc il n'y a pas de ring qu'elle a avec.
Ça a coûté 68,50. Voilà. Je sais que j'ai pas de cheval, mais ça fait longtemps que je voulais une bride comme ceci. Puis ça va. Elle va me servir. Donc la seule chose qui va me rester à acheter, ce sera un mors au cheval que j'utilise. Voilà. Fait que je vais aller l'essayer dimanche pour. Je sais qu'elle va savoir faire. Je vais aller l'essayer. Puis il va me rester le mors à acheter. Voilà! L'avantage de la bride, c'est que ma misérole croisée, je peux l'enlever. Donc, je peux aller me racheter une bride, pas une bride, mais une misérole combinée ou une misérole simple. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de l'avantage de la bride. Et il n'y a pas de dom marque. Voilà. Ensuite, dernier magasin, c'est chez Green Art. Ceci. Voilà. Donc, on va commencer. Niveau cheval, j'ai acheté une seule affaire. Donc, c'est un bonnet anti-mouche bleu marine, comme ceci. Avec j'ai la petite corde pour attacher autour du cou. Et c'est en genre d'or brun. Voilà, en taille cheval. Il n'y a pas de marque. Je suis bonne pour avoir des affaires, pas de marque. qui a coûté 19,99$, donc 20$. Voilà. Qui va aller avec mon ensemble bleu. Ensuite, tout ce qui est niveau cavalier. Donc, on va commencer. Je me suis acheté un chandail gris avec des chevaux. De la marque Gildan. Comme ceci. Et il a coûté 14,99$, donc 15$. Voilà. En taille small. Ensuite, je me suis acheté un polo. Comme ceci. De la marque Aerion. Ceci. En small. Bleu marine avec un petit cheval. Et lui il était en solde, donc au lieu de 29,99$, il m'est revenu à 20$ dans les alentours de. Le même chandail, sont en rouge avec le petit cheval brun, comme ceci. Et même prix, 29,99$ pour les alentours de 20$. Le dernier achat, niveau cavalier, dans les vêtements, je me suis. Acheter un nouveau pantalon d'équitation beige de la marque Kerrit. Ceci. Au coût de 84,99$, donc 85$. J'ai des graines pour avoir des carottes. Avec les trucs antidérapants et élastiques. J'adore. Voilà, ça va être mon deuxième pantalon de l'été. Bon, un bleu de la même marque. C'est la même marque. Non, lui c'est la même marque que mon pantalon d'hiver et j'en ai un bleu. Voilà. Je commence à m'acheter en beige parce que plus je monte au niveau au cavalier en classique, faut que j'aille l'équipement. Donc je commence à me griller tranquillement, pas vite, puis à m'habiller aux normes de. Ensuite, toujours niveau cavalier, je me suis racheté des boots d'hiver. Je sais qu'on est loin de l'hiver, mais c'est quand même un petit peu les seuls. Parce que j'ai scrappé les miennes durant tout l'hiver. Je les ai portées tout l'hiver. Pas bonne idée. Voilà, c'est des Ariat. Au lieu de 155$, ils m'ont revenu à 124$, donc un rabais de 20%. Voilà. Mes anciennes, ils étaient à zip. Ceux-là sont en lacets comme ceux d'été. Voilà, en cuir véritable. Noir, donc c'est juste c'est des boots, quoi. Voilà. Et je peux. Je peux vous dire que Ariat, c'est une excellente marque. Je vous la recommande. Et le dernier achat, ça c'est plus extra, je dirais.
Voilà, c'est un breuillet que ma maman a décidé de m'acheter, donc c'est secrétariat. Désolée, on voit là, mon cellulaire, voilà, comme ceci. Et c'est le numéro 1345. Secrétariat, voilà. Le derrière. Et ça a coûté 55$. Voilà. Je peux vous dire que c'est relativement cher. Mais ça en a fait une belle collection. Et c'est mon deuxième. Non, mais pareil. Ah, je sais plus combien. Bref, on s'en fout. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Je vais y arriver. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!